Hein ? En fait, il n'y a aucune main qui doit servir à rien. Vous pouvez partir de là ou de là. Vous pouvez partir de là. Dans l'idée, si on fait ça, ben, il me touche là, il peut me taper. Donc dans l'idée, elle ne sert à rien cette main-là, sauf s'il y a quelqu'un à côté. Mais dans l'idée, ça va de pair avec le premier mouvement. Quitte à faire ça. Boum. Dans l'idée, c'est ça. C'est juste pour faire comprendre comment checker les mains. On a fait ça. 1, 2, et ensuite on est parti sur génital et écrasant. On va zapper le génital et écrasant, on va se concentrer sur juste ces zones-là. Et on va juste inverser, on va faire. La main est en garde. On a fait 1 et 2. Maintenant on va faire 1, 2. 1, l'autre est en garde, mais on va taper. Ça peut être ici, ça peut être une fourche à la gorge. Donc dans l'idée, c'est ça. Ça, ça suffira peut-être pas. Puis là, je me mets un obstacle. D'où l'intérêt de... passanguer. Faites un passang, on va créer un nouveau verbe de passanguer. Donc dans l'idée, faites ça. Et à partir de là, vous réinversez, soit main ouverte, soit point serré. Ça donnerait ça. Ouvrez bien vos hanches pour commencer à prendre la fuite dans l'idée. Un et deux, il y a le poids du corps qui suit. Au début, on travaille la gestuelle. On fait un, deux, on peut accélérer. Dans l'idée. Après, on commence à pas taper, mais pousser. Un, deux. Et là, on travaille un peu le poids du corps qui est très utile en self-défense et qui est sous-estimé. Parce qu'on se dit, ouais, mais attends, t'es pas en traditionnel, descends pas en bas. Oui, mais la self, ça, ça se pratique pas comme un pingouin, quoi. Il y a des appuis, bien évidemment. On travaillait ça une dernière fois. On avait fait un, deux, on va faire un, tourner. Et quand il commence à reculer, vous continuez dessus. Ça va ? Allez, merci. 1, 2, yes. Ça va ? Une fois que vous avez la... C'est pas facile. Ouais, une fois que vous avez la gestuelle, vous rajoutez un peu de poids de corps sans taper. C'est-à-dire, vous allez faire 1, là voilà. On crée un équilibre, le mec il bouge. Et si je fais ça, merde, on est d'accord qu'il est plus là, donc il faut que je suive. Je vais faire 1, quand il bouge, 2, donc je vais vous suivre. Allez, tu peux taper avec ça, avec ça. Salut à toi, c'est Alexandre, j'espère que tu vas bien. Si tu visionnes cette vidéo, c'est que je suppose qu'on a une passion en commun qui sont les arts martiaux ou la self-défense. Eh bien, tu vas être content, reste attentif à ce qui va suivre parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner un accès gratuit à une formation en ligne de self-défense. Alors si tu ne me connais pas, tu verras, on aura l'occasion de faire connaissance à travers mes différents modules de formation donc, que je t'offre donc pour te souhaiter la bienvenue. Je m'appelle Alexandre Acariès, je suis un très grand fan, passionné, voire obsédé des arts martiaux ou de la self-défense. Donc comme je viens de te le dire, pour te souhaiter vraiment la bienvenue parmi ma communauté de fans de self-défense et d'arts martiaux, je souhaite t'offrir une formation en ligne. Comme tu verras, c'est du contenu vidéo qui va t'aider considérablement à booster ta pratique de la self-défense au niveau supérieur. Tu y retrouveras donc des exercices, des techniques et des principes issus de mon expérience multidiscipline de plus de 25 ans, donc dans la pratique des arts martiaux ou de la self-défense. Alors c'est 100% gratuit, tout ce que tu as à faire pour en profiter, c'est tout simple, tu cliques sur le lien qui est en description donc de cette vidéo, tu vas atterrir sur une page où il te suffira de rentrer ton prénom et ton adresse email et puis je t'enverrai instantanément donc ton cadeau de bienvenue, ta formation offerte sur ton adresse email. Voilà, donc je t'invite à t'inscrire dès maintenant parce que c'est peut-être pas une offre que je vais laisser longtemps en ligne. Et puis donc je te dis, moi, me concernant, je te dis à tout de suite donc dans ton adresse email pour consulter ta formation vidéo offerte. À tout de suite.